montrer qu'on n'est pas non plus que des clowns, ça serait bien aussi. Après, si vous voulez du fun, moi je peux vous montrer mes clowns. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des fusions. On n'oublie pas l'intro, même si Didio n'est pas là avec nous aujourd'hui. Il est encore en Italie, moi je suis déjà de retour. Donc les guerriers, aujourd'hui, petit facecam. On va parler de la sèche, pour ceux qui ont suivi un petit peu les vidéos. Vous avez vu mon physique évoluer au fur et à mesure des vidéos. Si vous voulez voir l'évolution, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, allez voir le QVPDM dans lequel je suis. Plus des vidéos récentes, vous allez voir tout de suite un petit peu la différence. Même si elle sera un peu plus impressionnante, si vous la regardez aujourd'hui vraiment ma shape, aujourd'hui à celle QVPDM. Parce que les vidéos sortent un peu en retardement, il y a une, deux, trois semaines de décalage comparé à quand on les tourne. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, on est là pour parler de ma sèche. Comment j'ai fait pour perdre 11 kilos en à peu près 2 à 3 mois, 2 mois et quelques jours avant l'Italie, puis là on est à plus ou moins 2 mois et demi, 3 mois. Voilà, j'ai perdu 11 kilos, c'est beaucoup, je vous le cache pas. Donc mon point de départ post-confinement, quand vous voyez la vidéo QVPDM, c'était vraiment là où je reprenais, j'étais à 97 kilos, j'étais très gras. 2 mois sans sport, 2 mois sans alimentation, j'allais à la pizzeria, je mangeais plus ou moins tout ce qui traînait, je m'en foutais un petit peu. J'étais très focus sur ma chaîne gaming, donc je m'en foutais un petit peu de la muscu pour être honnête avec vous. Voilà, dans la vie j'ai deux passions, le gaming et la muscu, l'un autant que l'autre, je peux pas m'en passer. Donc je vais vous expliquer, je vais vous poser un petit peu les bases de la sèche, de comment je suis passé de 97 kilos comme vous voyez ici à gauche post-confinement, à 86 kilos ici à droite, 85-86, assez propre à l'heure d'aujourd'hui. Je vous ai même fait quelques petites vidéos pour vous montrer un petit peu la shape actuelle, etc. Elles vont être affichées à l'écran pendant que je vais vous parler de ça pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, après je suis loin d'être découpé, je suis juste propre. Il me reste encore quelques kilos à perdre, il doit m'en rester encore 3-4 à virer. Donc voilà, je vais vous poser les bases, ce que moi j'ai appliqué, ce qui est applicable en général. Faut arrêter de croire ce que les gens vous disent, oui, en faisant telle chose, en enlevant ça, en buvant ça, machin. Il y a que les bases qui marchent, le reste c'est du bullshit. Donc les bases pour une sèche, c'est super simple, c'est déficit calorique, c'est vraiment la base des bases. Si vous consommez plus de calories que ce que votre corps a besoin, vous allez forcément prendre du poids. Si vous en consommez moins, vous allez forcément maigrir. Une deuxième base, c'est le sommeil de 8 heures minimum pour que vos hormones soient sécrétées correctement lorsque vous dormez, l'hormone de croissance, etc., que vous récupérez assez bien, comme ça vos séances sont bien plus productives. Et en dernier temps, ce sera les séances de muscu intensives. Séances de muscu en dernier, simplement parce que vous pouvez très bien sécher sans faire de sport. On appellera ça un régime, en faisant juste un déficit calorique, en dormant bien, vous perdrez du poids, et voilà. Mais nous, on est ici pour parler de perte de gras, de sèche, vous appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. Donc je vais vous faire le topo de ce que moi j'ai appliqué vraiment à moi. Là, on est vraiment dans le côté force, je sais, force et fun, vous inquiétez pas, on le sait. Mais aujourd'hui, on est un peu plus dans le côté force, on a fait beaucoup de fun récemment, je me suis dit qu'un petit peu de sérieux, montrer qu'on n'est pas non plus que des clowns, ça serait bien aussi. Après, si vous voulez du fun, moi je peux vous montrer mes clowns. Donc voilà, je vais vous parler dans un premier temps de mon déficit calorique, comment je l'ai créé. Toutes les sèches que j'ai pu faire à l'époque, moi ce que j'ai fait, c'est une grosse erreur que tout le monde fait, c'est qu'on va baisser nos calories d'un seul coup. Je passais de 3000 calories en prise de masse à 1500-2000 calories directement en sèche. Je crevais de faim, je ralentissais mon métabolisme, je ne perdais plus au bout de 2-3 semaines, c'était bloqué, c'était terminé. En plus de ça, j'avais fumé mon métabolisme et dès que je remangeais, je reprenais beaucoup de poids. Cette fois-ci, j'ai appliqué une méthode différente qui a très bien fonctionné sur moi. Je suis parti sur une base de 2600 calories. Sachant qu'en prise de masse, je tourne aux alentours de 3000-3500. Donc j'ai pas baissé énormément, mais j'ai baissé un petit peu quand même, mais ça va. Évidemment, on parle d'une alimentation saine, on parle pas de 2600 calories, de McDo, de KFC, etc. On parle vraiment de nourriture saine et équilibrée, féculents, légumes, viande. Donc je suis parti sur une base de 2600 kilocalories. Et pour creuser le déficit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté ma dépense énergétique dans la journée. Comment? Bah, j'ai rajouté du cardio en mes séances. J'hésite pas à aller au magasin marché au lieu de faire des drives. Je me déplace un petit peu plus, etc. Voilà, ça, tout ça, ça contribue à votre sèche. C'est hyper important. Il faut y aller vraiment progressivement, baisser les calories très progressivement ou augmenter sa dépense tout en mangeant le même nombre de calories. Ça marche beaucoup mieux personnellement, je trouve, pour la simple et bonne raison que vous avez toujours autant d'énergie, vous mangez toujours autant. Donc voilà, je suis passé de 2600 calories, ensuite j'ai baissé au fur et à mesure jusqu'à avant l'Italie, c'est-à-dire au bout de 2 mois j'étais à 2100, mais j'avais baissé beaucoup pour faire un peu plus vite, parce que je savais qu'en Italie j'allais manger un peu plus et encore ça va. J'étais à 2300, je devais rester là-dessus vu que je continuais à perdre, tant que je perds à 2300, je baisse pas en fait. Et comme l'Italie arrivait, j'ai baissé directement à 2100 parce que je savais qu'en Italie j'allais peut-être reprendre un petit peu vu que voilà, c'est les vacances, tu te lâches un peu. Au final, même là-bas, j'ai continué de perdre. Et voilà, 2100 calories à la fin, mais on va compter. Là, actuellement, je reviens d'Italie, je suis à 2500, j'ai remonté un petit peu et je resèche. Donc voilà, à ça, j'ai ajouté du cardio, mais pas n'importe quel cardio. J'ai pas fait du cardio où vous allez courir, où vous allez faire du HIIT, etc. J'ai fait du cardio basse intensité. Pourquoi basse intensité? Vous savez très bien, si vous faites du HIIT, vous allez très haut dans les tours, vous faites du cardio de la course, vous montez très haut dans les tours, votre corps, il va ramasser, il va se dire pour la prochaine fois, il faut que je m'allège à tout prix
pour que ce soit plus facile, il va s'adapter. Il va virer du gras certes, mais il va virer également du muscle. Nous, ce qu'on veut, c'est pas perdre de muscle, donc cardio basse intensité. Vos battements par minute restent entre 130 et 145, c'est correct. Marche inclinée, c'est excellent, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai pas perdu de force, j'ai pas perdu de masse musculaire. J'ai vraiment fait les choses bien, c'est très très important les potes. Si vous voulez faire une sèche, privilégiez le cardio basse intensité. C'est Bazinga qui fait ça aussi, il a tout compris. Donc en ce qui concerne le cardio basse intensité, j'ai commencé, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran. Là, j'étais à un niveau plus ou moins moyen. J'étais en train de progresser un petit peu. Parce que ouais, sur le cardio, j'essaie aussi d'augmenter un petit peu les paliers pour cramer un peu plus de calories en perdant un peu moins de temps. Et voilà, là c'était la vidéo où on est parti voir Bastos à Basic Fit. Vous voyez que je fais de la marche pendant que Gijo parle à la caméra. J'ai fait ça 3 fois par semaine au début. Ensuite, j'ai monté progressivement jusqu'à 5 fois semaine, 6, 7 fois à chaque entraînement. Puis ensuite, j'ai monté l'intensité du cardio, c'est à dire j'ai commencé à 5 km/h, ce qui est très peu, inclinaison 12,5, c'est très bien pour commencer. À l'heure actuelle, je suis à 6 km/h pour une inclinaison de 15 et je suis entre 20 et 30 minutes. Donc voilà, ça c'est ce qui regroupe le cardio et mon alimentation. J'utilise MyFitnessPal pour calculer mes calories, c'est important. N'hésitez pas à télécharger cette application, elle est incroyable. Ensuite, pour ce qui est du côté musculation, je suis reparti sur ce qui fonctionne le mieux pour moi, un split 7 jours sur 7 avec un jour de repos lorsque j'en ai besoin. Lorsque je sens que mon corps commence à fatiguer, boum, je cale un jour de repos, je me repose et je repars de plus belle. J'ai par la même occasion repris les séances bras, chose que je ne faisais plus pour délocaliser du gras. Voilà, vous savez que quand vous allez travailler un muscle, quand vous allez le solliciter, vous allez le vasculariser, vous allez déloger des graisses un peu plus facilement, mais après, faut pas s'attendre à perdre à une zone ciblée, c'est juste ça aide un peu plus à raffermir et que ce soit un peu plus propre. J'avais arrêté de les travailler parce que c'est un gros point fort chez moi, je peux pas me permettre de les travailler à part en sèche. Donc voilà, pourquoi est-ce que le split c'est ce qui marche le mieux chez moi? Pour la simple et bonne raison qu'en général mes séances durent une heure, c'est vraiment maximum ça dure une heure. Quand je dis 7 jours sur 7, c'est un roulement. Quand je dis je m'entraîne 7 jours sur 7, par exemple je vais faire pec, dos, cuisse, bras, épaules. Je vais pas attendre la semaine prochaine, je vais renchaîner directement comme si je travaillais deux fois par semaine le même muscle, etc. J'enchaîne. Et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je trouve, sur mon corps à moi, c'est ce qui marche le mieux en tout cas. Comme c'est une heure de séance, à la fin je suis pas complètement dégommé, je peux me permettre de faire du cardio assez facilement. Il me reste vraiment beaucoup d'énergie et ça c'est vraiment top. C'est pour ça que je choisis le split en sèche. En plus de ça, nerveusement, c'est beaucoup plus facile à tenir qu'un PPL qui va vous dégommer. J'ai continué à m'entraîner lourd, 8-12 répétitions, au développé couché en prise de masse, en série de 8-10, j'étais à 120-130, j'ai gardé les mêmes charges. Et ensuite, en dernier point, dormir 8 heures minimum. Pourquoi 8 heures? Il y en a qui diront 7 heures, moi je prends une marge d'une heure. Même si vous n'êtes pas des gros dormeurs, essayez de dormir, c'est important. C'est ce qui va réguler votre sécrétion d'hormones de croissance. Si vous dormez pas assez, vous n'aurez pas ce fameux pic d'hormones de croissance qui est si important. Vous ne serez pas assez reposé pour faire des séances vraiment efficaces. C'est hyper important, les potes, faites-le. Donc voilà, tout ça, c'était les bases de comment moi j'ai fait. Je vous ai vraiment expliqué ça en gros. Je pourrais rentrer plus dans le détail, mais j'en vois pas vraiment l'intérêt. Je vous ferai peut-être une journée dans mon assiette ou un truc du même style si vous êtes chaud. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez voir plus de photos de ma shape actuelle, vous avez mon Instagram qui s'affiche juste ici en bas. N'hésitez pas à les me follow, on vient de dépasser les 5000, ça fait vraiment plaisir. Maintenant on vise les 10 000, n'hésitez pas à venir, les potes ça ferait vraiment plaisir. Je peux vous montrer en plus des photos, des images qui ont défilé un petit peu à quoi ça ressemble actuellement. Voilà, j'avais absolument aucune définition au niveau des bras, là on voit qu'on peut commencer à voir vraiment la séparation épaule-bras. En toute modestie bien évidemment, je sais très bien que j'ai pas le meilleur physique, du fit game etc. C'est vraiment pour vous montrer et peut-être vous motiver vous aussi à charbonner à la salle et faire du très sale. Donc voilà, j'avais aucune définition, on peut voir que on voit le brachial ici. On voit le triceps, le biceps, l'épaule qui strie légèrement. Ça commence à devenir propre, c'est très bien, moi ça me convient. Un physique comme ça, j'ai pas besoin de sécher plus, même si je vais le faire pour le shooting photo, etc. Et parce que je compte vous faire une vidéo motivation, j'espère que vous serez nombreux à la regarder. Comme Gijo avait fait, Gijo motivation, elle va s'afficher juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, elle est excellente. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. À ce qui paraît, si vous êtes abonné à Fitness Fusion, vous perdez instantanément 2% de body fat et vous prenez 5 kg de masse maigre juste en cliquant sur un bouton. Si c'est pas formidable, donc n'hésitez pas les potes, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à commenter les potes. Ceux qui ont fait une sèche cet été, faites le moi savoir en commentaire, ou du moins ceux qui ont essayé, dites moi ce qui vous a arrêté, pourquoi vous n'avez pas tenu. Si jamais vous avez déjà fait des sèches, dites moi également ce qui vous bloque, j'hésiterai pas à vous répondre en commentaire, etc. Voilà, si on peut vous aider, on fera ça. Restez connectés les potes, on vous réserve du lourd avec Gijo. C'est que le début. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait énormément plaisir, c'est ouf. L'engouement qui est autour de la chaîne, c'est une dinguerie. Et voilà, la semaine prochaine, normalement, c'est la vidéo football qui sortira, celle qu'on a tournée en Italie avec Gijo. Ce sera côté fun. Voilà, aujourd'hui, c'est la force. Demain, c'est le fun. C'est comme ça. Un petit peu de force, un petit peu de fun. Vous connaissez maintenant la devise de la chaîne, les potes. C'était Fitness Fusion de l'AFF. Putain, ça n'a pas la même saveur quand je la fais tout seul. Tu vois, j'ai envie de... C'est pas la même saveur quand je la fais tout seul. Je préfère quand il y a Gijo. C'était Fitness Fusion de l'AFF. Vous étiez en compagnie de Pimous, force et fun.